Ladies and gentlemen, bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau let's play qui est juste magnifique. J'étais tombé sur quelques images que j'ai trouvées, c'était sur Game One, je regardais à la télé en fait, et j'ai dit putain mais ce jeu a l'air vachement cool. Plateforme, comme je l'aime, très coloré, avec une petite histoire sympathique, réalisé par Microsoft Studio. Et ben écoutez, on y va, hein, on se lance, totalement adapté à la manette, hein, donc je joue à la manette, je suis sur ordinateur. Il est aussi disponible, me semble-t-il, sur PS, hein, je crois, ou Xbox, peut-être Xbox, je ne sais pas, je me suis pas renseigné là-dessus par contre, hein, je commence assez rapidement. Du coup, c'est parti, hein, je sais pas du tout s'il y a des options à voir. Voilà, bah, du 1080p, bah, c'est très bien. Ah voilà, on a de ce qu'il faut, donc frapper... Lien d'âme, sauter, flamme spirituelle, d'accord, d'accord. Bon, bah, on va découvrir tout ça ensemble, je pense. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre chose à voir? Oui, bah, de toute façon, je mets le son à fond, ça qui est bien, parce que ma piste voit de toute manière. Et c'est pas, d'ailleurs, je vais rapprocher un petit peu de moi, et voilà, c'est parfait. Du coup, on est parti. Let's go! C'est superbement beau. Oh, je contrôle un... Vous savez à quoi ça me fait penser, ce masque blanc? Ça me rappelle à The Journey. Vous savez, ce petit truc indépendant où on était dans du sable et on se baladait. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau! Oh là là! Les musiques et tout. Super ambiance. Bon, mon gros patapouf, il va pas vite. J'imagine que de toute façon, c'est pas lui. Parce que c'est pas ce que j'avais vu sur le trailer. Je saute... Oh, qu'est-ce que c'est beau, putain. Oh, il est trop mimi. Oh, il est trop mimi. C'est la cuteness la plus totale. Je peux sauter. Je peux faire que ça pour l'instant. Alors c'est parti, on y va. Oh là 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 là. Oh mais hé, on se retrouve dans un style Rayman Origins un peu. Bonjour. Eh, il me donne une noix. Pourquoi il met des croix pour... A chaque fois qu'il récupère une noix, genre il y en a une par arbre, tu sais. Et là, non. Bon. On continue. C'est beau. Juste visuellement parlant, qu'est-ce que c'est beau. C'est terrible. Je devais faire une coopération avec Azunching, mais on va la reporter un peu. On attendra qu'il termine son let's play. Oh. C'est tout mimi. Franchement, c'est super adorable, quoi. J'en laisserai presque une petite larme, tellement c'est mignon. Oh, je suis ému. Ça change de mon cru que Call of Duty qui tire partout. Là, je suis passé de violence à mignon. Oh, j'ai des graines. Je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, je pars avec mes graines. Salut. Ça raconte l'histoire en même temps. Mon, où il rapportait, en cette terrible nuit... Où mes flammes embrasèrent le ciel. Où j'appelais Ori de plus belle.
personne ne me répondit. Il n'y a plus rien à manger là. Oh. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à manger. Oh. Mais c'est trop triste. Vas-y. Ils m'ont déjà trop ému quoi. Ce genre de truc, ça m'ému trop quoi. Alors que les mois s'égrenaient. Bah, pas l'ombre d'une nourriture, on le voit bien, hein. C'est triste là. Aïe aïe aïe. Oh non. La vie s'étiola et se fana. Oh yes! Il en a retrouvé. On va lui rapporter! C'est tellement beau. Alors le jeu il est à 20€ sur Steam. Il n'y a pas de promo. Enfin j'étais pas en promo quand je l'ai eu. Je l'ai pris, il est à 20€. Et waouh! Il est beau! Il est très beau! J'aime bien les effets d'ombre devant et tout. Pour l'instant, on n'est pas vraiment encore dedans, c'est vraiment l'introduction totale. Hein. J'ai ramené à manger. Oh non. Oh non. Une âme à nouveau orpheline. J'en ai lâché une petite larme, hein, je vous l'avoue les amis. Je suis très sensible à ce genre de trucs. Ça me... Même ces petits trucs, alors... Il y en a qui me diront, bon... Sans raison de rester ici-bas. Je vous avoue que je suis très sensible à ça, moi je peux lâcher une petite larme comme ça, ce genre de truc. Je suis vraiment très... Je suis capable de pleurer comme une madeleine, alors ça me... Il recherche la lumière. Putain, j'ai dû appuyer 10 fois sur croix pour lui faire monter le bout de bois. Allez, courage, mon petit Oni. Oh, pauvre petit. Allez, relève-toi. Oh. Et qu'en faiblit mon enfant. Allez, tu peux le faire. Relève-toi, mon ami. On n'a pas fini encore. Fille, tout
Tu vas pas mourir là quand même, fais-nous pas ça. Fin du jeu, merci à tous d'avoir regardé le let's play. Non, j'ai... Ma lumière raviva Ori et la vie renaquit. Le périple commence. Je renais. Waouh. Mais notre ami est toujours mort par contre. Ça y est, on commence vraiment les amis, on y est. Une très très longue introduction, j'aurais pas beaucoup de temps de gameplay. Waouh, comment que c'est beau. Je sais pas ce que je peux faire. Pour l'instant, je peux avancer. Je peux rien faire. Ah tiens, A pour sauter plus haut. Oh, il est beau. Merde, je suis bloqué là. Oh, il y a des épines. Oh, le pauvre. Ok, ça c'était ma vie. Ok, on y va. On va par là. Je fais comment là? Ça, je peux pas. On va continuer plus bas. Maintiens. Ah, pour descendre en sautant d'une plateforme. D'accord. Ok, c'est parti. Ok, ils pensent au joystick. Moi, j'y pense pas forcément. C'est quoi ça? Ouais, ça a l'air de piquer. J'ose pas taper dessus. Ah non, je peux pas. Ah putain, j'ai perdu toute ma vie à cause de conneries quoi. Ouh, ok. Ah, c'est trop choupinou. Excusez-moi, tu as trouvé un éclat de vitalité. Récupère-en pour régénérer ta vitalité, d'accord. Ok, très bien. Tu as trouvé une cellule d'énergie, tu peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie. Utilise ces ressources pour créer un lien d'armes et sauvegarder ta partie. Partie sauvegardée. Ok. Bon. Voilà. Je sauvegarde ma partie et j'ai déjà une vie en moins. C'est un peu triste. Putain, elle m'a fait peur. Oh putain, mais j'ai eu trop peur. What? Tu as trouvé de la lumière spirituelle. Remplis-la pour obtenir un point de compétence. D'accord. Oh, il m'a fait trop peur le machin. Ok. La musique est hyper badass. La petite lumière. Ah, parce qu'elle a relâché son emprise, je me suis retrouvé ici égaré dans ce vallon. Je peux te guider tout au long de ton périple si tu le veux bien. Qui dit c'est la lumière de l'arbre. Mais tu entends cela? Ils ont dû te suivre jusqu'ici. Oh là là. Et je fais quoi? Flamme spirituelle. Ah, je peux mettre des coups. Ah ouais, ça met des coups. Ok, je peux mettre des coups comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok, bah je crois qu'on va retourner au rond justement qu'on n'avait pas réussi à casser. Ouais, faut se mettre à suffisamment à distance et en même temps esquiver en fait. Leurs lumières me reviendront, cela l'arbre aux esprits l'avait annoncé. Dans la clairière, au-delà des grottes, nous le trouverons. Il y a un chemin par ici. Bah pas déjà. J'ai rien compris au plan. Nouvel objectif.
Trouve l'arbre aux esprits. Ah oui, d'accord, c'est là, c'est le monde que j'ai. Comment j'ai parcouru tout ça en fait. Appuie sur pour consulter la carte. C'est quoi ce bouton? Je le connais pas. Ah, c'est Select apparemment. D'accord. Ok. Alors. Enfin, Select. Moi, je l'appelle Select. D'accord, il faut que je reparte à droite pour prendre le chemin en haut. Ah oui, d'accord, c'est un plan vraiment détaillé du truc. Ok, ça marche. Ah, je peux taper pour avoir de la lumière. Ah ouais. Ok, on va taper ça. C'est génial. Alors moi, j'adore les jeux comme ça. Oh. Créer un lien d'âme, appuie sur B près du lien pour ouvrir les compétences. Alors, il était où le lien d'âme déjà? Il était après, je crois. Il était... Oui, il était là. Oh putain, vivement le double saut. J'espère qu'il y en a un d'ailleurs. Wow! Cette barre représente la quantité de lumière spirituelle représentée par Ori et absorbe donc 48 de plus pour obtenir un autre point de compétence. Et je fais quoi là? Aimant, la plupart des objets récupérés flottent vers Ori. Ah mais putain, mais faut le savoir stratégiquement là. Permet de réutiliser les liens d'âme. Permet de lancer 3 flammes avant de devoir recharger. Oh, je fais ça alors. Je prends cette compétence. Est-ce que je peux valider maintenant? Non, je peux pas. Bah, lancer 3 flammes, c'est déjà ce que je faisais, non? Non, je sais pas. Ah, c'était ça le... Voilà, partie sauvegardée. Ok, on a sauvegardé. Mais putain, ça a l'air trop bien! Oh là 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 là, remonte petit, remonte. Ah, il y a des larves et tout. Ah, ils m'ont tué. Ah, ça sauvegarde et d'accord. Ah, ça lance des pics, j'avais pas vu. Ok. Bon, excusez-moi, hein, faut que je me fasse au jeu parce que là je découvre totalement. Hein. Vous voyez, j'ai lancé la partie vraiment. Tu as trouvé un fragment d'énergie, les fragments d'énergie régénèrent la puissance des cellules d'énergie d'Ori. Yes. Ok, ok. Donc lui il lance des pics. Lui. Ah oui, c'est ça. C'est ça qui m'a lancé tout à l'heure. Oh, il en lance même quand il meurt. Il faut faire super gaffe. D'accord, et là ça sauvegarde. Alors ça va, ça mène où ça? Waouh. C'est terriblement bien. Des structures très anciennes liées aux arbres des esprits, donc l'arbre hein, qui fournit toute l'énergie apparemment, absorbe leur lumière pour reprendre des forces. Et X. Et voilà, ça sauvegarde la partie. Et en plus, on récupère toute notre source d'énergie. Et vous le voyez, on ne peut pas monter. Et à mon avis, ce sera donc pour plus tard, pour pouvoir faire des trucs. Et bah écoutez, vous savez quoi? Et là, ça... Oh, ça permet de faire des sauts. Ah, mais du coup, peut-être que le double saut ne sera pas là, je ne sais pas. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode qui est très cinématique, finalement. On pose le truc, mais qui a l'air vraiment super cool avec tous les sorts et tout. On peut faire des trucs trop bien. J'adore les décors, j'adore la musique. Un superbe jeu en perspective. Merci à tous d'avoir regardé. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle aventure sur Oli. Ciao à tous et à la prochaine. Mettez plein de pouces bleus aussi, hein. C'est bien les pouces bleus. Ça nous aide. Ciao.